Allez hop, les publicités sont finies, on y retourne normalement. Oui, c'est tout bon, petit switchage d'affichage. Je remets Dark Souls, je recoupe la musique de GoldenEye, et on y retourne et on y croit. J'ai avancé, j'ai fait quelques mobs en vous attendant, histoire de... Alors... C'est fait. C'était quelle musique pendant la pub? C'était GoldenEye. Ah, pas GoldenEye, celle d'avant. C'était Xenosaga. Albedo Stem. Et donc, ce sera la dernière ligne droite. C'est bon, c'est réglé. Ça, c'est bon aussi. On a tué celui sur le côté. Donc lui, c'est parti. Ok. Ensuite. Il y a celui, genre il est par là. Celui-là, j'y arrive pas. Hein. Alors, ça, c'était pas prévu ça. Il est où? Là. Il y a un loot. Je vais chercher mon loot. Une effigie humaine, ça change ma vie. Bon, du coup, ça sert absolument à rien que je le tue, en fait, cet ogre là-bas. Vu que j'y vais pas là-bas. Mais il y a un loot là-bas, je suis sûr que c'est un loot de ouf, quoi. Je sais rien. Salut les dés. Comprends-tu nos réserves sur ta patience maintenant que tu as atteint cette zone? Et oui, je peux comprendre. C'est fait. Donc on avait vu un petit Billy ici. Ça c'est fait. Donc ici il n'y a rien normalement. Là il y avait un Billy juste là de mémoire. On va quand même le tuer histoire d'être sûr qu'il vienne pas nous déranger. Ok. Ensuite, il y a celui-là. Non, pas besoin. Je peux pas annuler un tir, non, je peux pas. On peut aller ici. Là, est-ce que j'ai la portée? Je crois que non, si ma mémoire est bonne. Oh, si. Ok. Ensuite, là, il n'y a rien. Ah, il est là, l'ogre. Il s'en fout de ma vie, hein. Mais d'accord. Ah, mais du coup, lui, je pourrais le tuer maintenant, en fait. Ce qui serait peut-être plus judicieux pour éviter un danger inutile. Il me plaît pas beaucoup cet ogre là, il me fait un peu peur. Ok. Il n'y avait pas un Billy sur le côté, non? Ah, pas de Billy. Point de Billy, de mémoire, il n'y avait rien du tout dedans.
là, donc lui on l'a tué en effet. Du coup, est-ce que je peux faire ça? Ça fait un peu peur. Ramasser objet. Comme je fuir, mais vous savez pas à quel point je suis en panique, quoi. Bon. Il y en a encore un qui va me saouler. Sinon, ça devrait aller. Ok. Donc, il me reste deux relous. Que celui là-bas. Mais ça se trouve, j'ai pas du tout besoin de les aggro, eux. C'est pas un mage, ça? Ah, mais si, il y en a encore plein. Oh, j'avais pas vu. Ok, ça, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer, mais genre, pas du tout. Mais va-t'en, 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 va-t'en. Vite, vite, retourne chez ta maman. Va très très loin. Où ils sont. Je sais pas où ils sont. Tu t'en fous de... Ok. Ok, ok. Ils sont là. Voilà. Non, je voulais pas du tout faire ça. Je voudrais ramasser le loot. Ok. Je suis pas sûr qu'il t'entende parler, Crane, mais continue de chuchoter, on sait jamais. Mais oui, mais ça fait trop flipper. Alors, ne reste donc ce Billy là-bas qu'on n'a pas tué, qu'on avait commencé à tuer. On peut avancer. Là, il y a un gros trou devant, très bien. Ok. Donc, on est d'accord, eux en face, là, totalement rien à carrer. Hein. Alors, il faudrait que je monte là-dessus. Il va falloir que je saute d'ici, peut-être. Non, ça passe tout seul. Que là-bas, on peut les ignorer totalement. Mais je suis sûr qu'ils vont m'aggro, moi. Je suis sûr qu'ils vont m'aggro. Mais attends, Crane, t'es qu'à la moitié de la zone, super. Ils vont m'aggro, c'est obligé. Non. Feu derrière la brume.
On reviendra prendre l'autre loot après. Un feu derrière la brume, ça va me... zéro risque hein. Jusqu'au feu je la joue à petite petite pucelle hein. Je vous préviens. Il est là le feu. Il est là. Oh merci. Ouh, il est très très gros lui. Il faut l'air content. C'est moi où ils arrêtent de bouger une fois que lui il est mort. Non, ça doit être moi. Ok, donc là on a potentiellement des trucs à récupérer. Genre ce truc là. Pas de trou. J'espère que c'est bien. Ah, un crâne élégant x3. C'est génial. C'est génial. Ce feu quoi. Il est très gros et en plus il pète, t'as raison de le tuer. Je savais bien. Trop de pression. Trop de pression pour mon petit cœur. Une gemme de vie. Extrêmement heureux. Encore quoi. Pff, on va marre. Genre ils peuvent pas monter, c'est ça? Non, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils font. Ah oui, mais non. Il oublie. Vous voulez pas baisser vos boucliers là, c'est chiant. Suis le son du chant. D'accord. Ça a l'air d'être dans la petite cabane là-bas. Alors j'ai vu un autre Billy tout au fond, ouais, là-bas. Et eux, ils vont garder leur bouclier levé comme ça. Tiens, pour 20 ans si je fais ça. C'est pas grave. Et ta critique. Oh non! Oh non! J'ai 20 000 âmes. Qu'est-ce que j'ai? File combien tout ça? Âme héros, grande âme, noble chevalier. 3 000. Ou 10 000. 33 000. Du coup, on a assez là. Oui, largement. Et aussi slash footy sexman comme dirait MV.
Allez, 55 en endu. Et donc des poudres de réparation, j'imagine que Billy vend ça là-bas. Il en manque une. Et sinon là, vu qu'on a été un feu, normalement tout est réparé. Pourquoi je vois pas mon arc? Ah, non. Il est cassé mon arc. Hein? Non, il est pas cassé. 40 sur 40. Bon, je sais pas compris. Du coup. Acheter objet. Ah, c'est parce qu'il était dans arc et que j'étais dans arme. D'accord, d'accord. Allez, continuons cette zone absolument géniale. Oh, faut se retaper tous les petits... Oh. Oh, du coup, je vais pouvoir un petit peu faire mumuse. Du coup, ils s'en foutent. Ça va être compliqué de le... Quand je peux le tuer, lui, sans... Non, je peux pas faire ça, tant pis. Ok. Tu peux courir sur cette dernière partie, le boss est juste au bout. Bah j'aimerais bien, mais... Attends, il est juste au bout, ouf. Faudrait que je le voie déjà. Non mais je vais me faire défoncer par les... Bon, j'aimerais bien les tuer normalement parce que sinon ça prend 20 ans. Ouais, mais ils sont deux. Vas-y, quand même, t'as rien à perdre. Mais non, il faudrait. Moi, je veux aller là où il y a la voie, là. Je veux aller dans la petite baraque. Je peux passer par là? Non, il y a des trous. Donc, on a dit quoi? Faudra que j'aille voir ça après mon stream de réac. Le problème c'est qu'il me one shot et des fois il y a une attaque que j'ai du mal à esquiver. C'est passionnant, hein, avouez. Powerplay. Justement, c'est là-dedans où il y a le boss. D'accord. Du coup, il faudra se retaper ce chemin à chaque fois. Il one shot. Allez, plus qu'une. Oh, c'était génial. Pas besoin, est-ce que... Ça sent extrêmement l'arnaque, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça sent extrêmement...
Ça, c'est fait. Il y a trop de... Ça sent la mec. Crane, il y a un feu si t'as une branche embaumante. Ah bah j'en ai peut-être une, j'en sais rien. On va aller voir ça. Pas de Billy? Ah si, il y a ça. Ah super. Ou je vais les full comme ça, hein. Tu vas perdre 2 HP par 2 HP, ça ira très bien. Très très bien, j'ai adoré. Tu veux bien enlever le message? Merci. Qu'est-ce que vous dites? Il y a presque aucun danger dans cette partie, Crane. Il doit y avoir 2 mobs dans l'eau, c'est tout. D'accord, intéressant. Tu peux aller chercher les objets, il n'y a presque aucun mob dans l'eau. Là. Enfin, moi, vous dites ça, mais je les vois, vos mobs. Hein. Oh, un os de dragon pétrifié. Donc oui, c'était bien. Ok. Yep, comme ag... Je flippe tellement pour Crane, même quand je l'ai fait, je flippais pas autant. Y'a plus que Meo.
Ah, donc le boss sera en face. On va lui parler. Je me sens arnaqué. Quelqu'un m'a parlé d'un feu si j'ai une branche embaumante. On va bien rigoler, super. Tout est bien. Quelqu'un a parlé d'un feu avec une branche embaumante, mais je ne vois point d'endroit. Bon, après, ça se trouve, toute cette zone, je peux la faire en courant, je sais pas. Non, mais... En fait, la clé de cloître, on la récupère quand dans Scholar, il a libéré la Milfanito de Dangleic ou pas. Plus loin, après le boss, le feu. Oh, après le boss. Oh non, je vais devoir tout me retaper. Oh. Pas du tout ça que je voulais faire. D'accord, je l'ai pas touché, c'était bien. Ok, c'était très très bien. Oh non! N'oubliez pas, me dites pas comment ça marche. Hein. Ah, je suis pas voir ça. Je peux pas le tuer avec la. Je sais pas ce que ça fait son machin. Est-ce que je peux rusher? C'est ça la vraie question. Est-ce que les gens savent si je peux rusher ici jusqu'au boss ou je suis obligé de me retaper ces mobs à chaque fois quoi? On va tester, on a rien à perdre. Ah, il y avait un trou là. La brume orange détruit l'équipement, ouais, c'est ce que je pensais. Je peux rush maintenant y arriver. Non, il y a un trou là. Je vais tourner autour du machin. Bon, ça doit se faire. C'est très très chiant l'eau. Très 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 chiant. Rusher, à mon avis, il faut au moins tuer celui-là. Putain, c'est chiant, à chaque fois, faut se retaper tout ça. Bon, ça, en fait, faut rusher. Colle-toi juste au pied, ça passe crème.
Ah, ici, en fait. Par contre, après... Dis-toi qu'à force, ils reviendront plus. C'est vrai. C'est encore une fois pas ça que je voulais faire. Oh non, la caméra. M'a fait rouler sur sa patte. Moi, il est pas trop dur, hein. C'est juste là. Il faut juste contrôler l'endroit où tu roules. Salut à tous, je viens de regarder le live avec Usul, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses, mais c'était intéressant quand même, nous dit Urtred. Bah, je suis content que ça t'ait plu. Que je le déloque et je cours. Astuce, lorsque tu ouvres une porte en la poussant uniquement, tu peux faire une roulade pour qu'elle s'ouvre plus vite. Ah non, mais en fait, courir sert à rien.
Ah, intéressant, merci. Je voulais essayer. Ah, d'accord. Là j'aurais pu frapper. Ce qui m'embête c'est son gros saut de toute façon. Ok, ça c'est nouveau. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est juste impossible avec la caméra. En fait, c'est la seule difficulté de ce boss, quoi, c'est la caméra. Non bah tu peux quasiment pas courir dans l'eau en fait, c'est le gros problème. Ou je sais pas, peut-être que je peux courir là, je sais rien. Mais le problème c'est qu'il faut que je déloque, il faut absolument que je déloque. Je l'avais jamais faite celle-là. Bah au moins. Je sais qu'il faut que je m'en approche tout de suite quand j'arrive. C'est chiant de se faire one shot.
Bah non, je l'ai pas voulu ce one shot. C'est la première fois que je vois l'attaque, je me fais surprendre. Pour le moment. Après. Ah, tu veux dire, il est voulu. Donc là, il va s'approcher deux fois. Deux. Là, il faut que j'aille à côté pour éviter le. Ah non. Pourquoi il me le faisait pas du tout, il me le fait maintenant, j'arrive pas à identifier pourquoi. Bah oui, mais si je m'y attends pas, pom pom, t'es bien gentil. Hein. C'est toujours plus facile quand on regarde, de toute façon. Ok. Faudrait que j'aille de l'autre côté, je pourrais faire mon coup en power stance plutôt que celui-là. Faut que je déloque. Mais même sans déloque, je comprends pas pourquoi ça se tourne comme ça. Normalement, je devrais pouvoir, même sans déloque, savoir où ça tombe et... Il est peut-être plus facile tout à l'arc. Non, non, mais on va... Déjà, je joue trop à l'arc. J'aimerais bien essayer, oui, de contourner via là. Mais j'arrive bien à esquiver en allant sur la gauche. On passe à grosse attaque, là. Ça m'embête un peu de tenter... Hein. Ah, j'ai oublié de frapper.
Ah, c'est nouveau ça. Oh mais non, il a jamais fait. Normalement, il s'arrête après l'autre. Ah là, j'avais déjà lancé mon coup. Je savais que j'étais mort. C'est moche, hein. Tu lances ton attaque, t'apprends les patterns, puis oh, le moment dans l'animation de l'attaque, tu sais que t'es mort. Mais il faudra que j'aille esquiver de l'autre côté parce que je vais pas arriver à... Le problème c'est que je tourne sur la gauche. Si je tournais sur la droite, je pourrais frapper avec ma stance. Mais peut-être que je peux frapper en gros coup. J'ai pas testé. On va tester. Ah oui, ça marche. Pensais avoir le temps. Et je n'ai point eu le temps. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était un pattern en 2 et pas en 4. Ah bah eux déjà ils repopent plus. Oui, j'ai joué une partie du jeu avec l'espadon à deux mains et non je veux bien. Ça me dérange pas d'utiliser les coups single espadon mais pas passer un espadon à deux mains. Encore, je t'ai encore jamais vu sur Dark Souls 2, mais une effigie humaine pour récupérer tout HP, ça pourrait aider. Non, oui, mais c'est pas le but de la run. C'est pas le but de la run. C'est une run sans points en vitalité, sans armure, sans bouclier, sans effigie, sans magie. Sans amour. Je sais pas pourquoi. Je suis persuadé d'avoir appuyé dans le bon timing, mais apparemment non. J'étais bien pourtant, je sais pas. Elle va bientôt arrêter de repop. Ça faisait longtemps que je t'avais pas rappelé de prendre une effigie. C'est la première fois que je fais le jeu, je répète. Donc, je ne suis point très fort. Juste, je le fais avec de grosses contraintes. Parce que ça m'amuse. C'est le boss le plus facile du jeu, je vois ça.
Allez, plus qu'un. Voilà. Là, c'est tout seul. Âme, démon du champ, blabla. Truc cloîtré de je sais pas quoi. Je suis venu d'où ? Venu de là-bas ? Faut que j'aille par là ? Voilà, c'est passé tout seul. Il y a un feu proche, genre c'est sans danger ou... Je vais encore me faire défoncer par des trucs. Il y a un petit feu là-dedans. Ils sont gentils. On peut me mettre un truc violent juste après le boss. Genre un petit feu là. Oh non, il y a un Billy. Qu'est-ce que c'était ce boss? Un petit feu? Un petit feu. Je vous attends pour savoir où est le feu. Boire un coup pendant ce temps-là. Il est 12h22 en fait, je devrais avoir mis des pubs et arrêter. C'est pas la bonne sortie. Ah d'accord. Si? Très longtemps que vous n'avez pas eu de pub. Hein. Feu après la porte, normalement, par une autre porte. À droite, mais branche ancienne nécessaire. Pourquoi c'est marqué 4 heures sur le planning, Crane? Aucune idée. 4 heures de quoi? Ok, ça c'est fait. Allons dépenser nos âmes. Cet arc de la vie m'est tellement. Mais je fuis trop dans cette zone. Y'a le Dragon Lord. Tu peux aller dans le... J'allais la clé du cloître. Je vois pas de clé du cloître, hein. Je ne l'ai pas. Clé oubliée, clé archaïque, clé... Non, je l'ai pas.
Bon, on va dire qu'on va continuer un petit peu le live, et vu qu'on continue un petit peu, bah, je vous mets les pubs. Voilà, à tout de suite. Non, c'était à 2h les pubs. J'ai encore trop joué. Voilà. Allez, à tout de suite, des bisous.